大家好啊，又见面了。那这两天呢，我已经加班加点的把《Hold Up》这部纪录片的第二部分剪辑出来啊，并且呢翻译出来了。那首先呢，再次感谢大家的热情啊！如果不是大家这么去看这个片子的话，我是没有动力这么快把它剪辑出来的。那第二集呢，我就在今天放出来给大家。那这一集，这一集的观点比起上一集来说的话，就更加的有欧洲特色一些，所以希望大家呢观看的时候情绪不要太激动，大家能够比较和平的去讨论这个问题。因为我看到在第一次影片之中呢有很多的朋友有一些比较激烈的评论，那这一集呢可能大家的评论就会更加的激烈哈。那所以呢，首先就先给大家打一个预防针，希望大家看的时候会稍微的平和一点，因为里面呢确实有一些。可能在我们看来，或者在很多中国人的看来，接受起来比较困难的观点，那我们就一起来看一下，关于病毒的来源以及病毒的疫情上面控制不当的这些，这个部分呢就剪辑结束了。那剩下还有一部分是这部片子里面关于为什么会产生这个疫情的这样的一个猜测吧。那它里面阴谋论的部分会比较多一些，然后涉及到一些财阀或者是神秘力量在后面主导这样的一些猜测。那这个呢，我也不确定是不是能够安全，所以我会尽量的把它剪辑出来，再过一段时间，也就是下周了啊，放出来给大家。Alors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. C'est une épidémie de cas positifs, avec des tests qui, eux, sont tout sauf fiables. Alors pourquoi il y a autant de cas positifs? Parce qu'on monte les cycles. On vous a déjà expliqué plusieurs fois que les cycles d'amplification de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi, d'une ancienne grippe, d'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Le professeur Raoul a démontré dans une émission, je vous avais déjà montré des extraits, où au-delà de 35, on ne détectait plus, absolument plus, rien de viral du Covid. Les Allemands, eux, testent, ne dépassent pas les 25 cycles. Les 25 cycles. En France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Donc, vu qu'en France, il y a beaucoup plus de cas positifs que tout autour de l'Europe, autour d'elle, soit vous croyez que le virus s'arrête aux frontières, soit ça veut dire que la France a un taux de cycle supérieur. Sauf que, des fois, on fait des boulettes. On fait des boulettes. Écoutez, jusqu'à où monte la France ? Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très 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 sensible. Examinons donc les chiffres. Au hit parade des épidémies les plus dangereuses depuis la Seconde Guerre mondiale, la Covid-19 arrive loin, derrière la variole, la rougeole, le VIH ou la grippe espagnole. La dernière à avoir fait paniquer nos élites remonte à 2009 avec le H1N1. Les sénateurs ont mené l'enquête sur la façon dont cette épidémie avait été gérée à l'époque. Il y avait une élève qui était absente depuis 10 jours, qui avait le Covid. Et 10 jours après, donc ils ont fermé le lycée pendant une semaine. Et ils ont fait tester les 1400 élèves du lycée. Et sans aucun problème, il n'y a pas eu de réaction hostile à cette prise de décision? Il y a eu quelques parents, je crois, qui ont refusé le test, mais sinon... Et le directeur du lycée était d'accord? Le directeur était contre, mais c'est l'administration, c'est le ministre de la Santé de la SAR qui a obligé le directeur à fermer l'école, à fermer le collège et le lycée. Pour une personne, et il y a eu 1500 tests. Une personne qui était absente depuis 10 jours. Les dégâts psychologiques, difficilement mesurables, et dont l'apparition de nouveaux mots, peuvent être un premier signe. Cas contact. Cas contact, ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle a été exposée à quelqu'un qui a eu un test positif à la cantine. Et donc, j'ai été prévenu hier qu'elle ne pouvait pas retourner à l'école. Et donc,
on est obligé d'aller la faire tester. Vous êtes en toute sécurité. C'est une obligation. C'est une obligation de l'école, sinon on ne peut pas rentrer à l'école. D'accord. Et vous, vous vous sentez comment ? Bah, je me sens bien. Je sais de source sûre que le taux de faux positifs est 20 fois plus élevé. Je pense... La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque et surtout pas de mettre une amende. Une amende à son peuple qui paye les gouvernements. Enfin, il y a quelque chose d'aberrant. C'est comme si je vous paye pour m'aider, puis vous me mettez un masque et vous me faites payer. Vous voyez, sans raison. Salut les terriens, c'est moi Corona, coronavirus. C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne. Eh oui, nous les virus, on est dans la place depuis plus d'un milliard d'années. Et pourquoi vous nous cherchez partout? Et c'est pas cool d'associer notre nom à la mort. C'est nous qui vous avons créé. Qui a participé à la formation de votre ADN? Qui? C'est Bibi, eh oui. Il va falloir se calmer, les gars. Il va falloir se calmer, vous me faites vraiment flipper quand je vous vois, là. Par exemple, dans l'armée, si tu perds une bataille, tu reviens en arrière. Tu l'étudies et tu dis, OK, qu'est-ce qu'on a mal fait? Ce que nous n'avons pas compris, je pense, c'est que le coronavirus ne se développait pas très rapidement. D'une certaine manière, pour moi, la Suède a décidé autour de la mi-mars de ne pas intervenir. Et vous savez quoi? J'ai beaucoup d'amis en Suède. J'étais nerveux, mais vous savez, il est devenu assez clair début avril qu'ils avaient pris la bonne décision. C'était une merveilleuse expérience. Les épidémies, elles surviennent souvent en hiver. Et on sait très bien que les virus grippaux, dont fait partie le coronavirus, sont des virus qui mutent et qui s'essoufflent avec le temps. Et donc, si on a une deuxième vague, ce ne sera pas une deuxième vague, ce sera une autre infection par un autre virus. Maintenant, ce que tout le monde aimerait savoir, c'est si vous laissez le virus infecter fortement un endroit, combien de gens vont mourir? J'imagine qu'on a été très chanceux. Car sur le bateau de croisière Diamond Princess, qui a commencé à être très infecté autour du... peut-être de la troisième semaine de février, on a commencé à avoir des chiffres, et ces chiffres étaient très intéressants. Le bateau avait 3700 passagers. Un bateau, c'est très dense. La densité, avec la taille d'un bateau et le nombre de personnes qui y étaient, c'est un quart de million de personnes par kilomètre carré. C'est 40 fois plus dense que Hong Kong. Et Hong Kong, c'est un endroit très dangereux. Donc c'est vraiment très dense. Et sur ce bateau, environ 20% des gens étaient infectés. 700 personnes infectées. Et sur ces 700 personnes, 7 sont mortes. Si vous faites les mêmes calculs pour la Grande-Bretagne, vous obtenez 55 000 personnes. Et si vous le faites pour les États-Unis, vous avez 220 000 personnes. Des recommandations non prises en compte par les États et des écrits qui laissent parfois perplexes. Qui dirige ? Il est vraiment important de réaliser que le profil, en termes d'âge, des gens qui sont morts est similaire à celui que l'on observe pour les morts naturelles. Les personnes de plus de 85 ans représentent la moitié des morts. Mais il y a aussi cette mauvaise science qui est entrée en collision avec le politiquement correct. Si je dis que je préférerais mourir de loin à la place de mon petit-fils, qui a 17 ans, ils diront peut-être « Oh, quelle bonne personne c'est !» Mais la société devrait être capable de faire ce choix. Parce qu'on sait que quand on est âgé avec beaucoup de comorbidités, il y a un risque très important de ne pas sortir de réanimation et que ça peut être beaucoup plus délétère et inconfortable pour une personne âgée d'être en réanimation. Mais moi, je l'ai constaté. Je suis ami avec un médecin qui s'occupe de 3 EHPAD. Et en fait, les hôpitaux de proximité, c'était dans l'Oise, on ne transportait pas les personnes âgées. Vous savez, là, dans les EHPAD, c'est 80 ans et au-delà. Et donc, on a refusé, dans les hôpitaux de proximité, qui n'étaient pas submergés, de transporter ces malades en réanimation. Et personnellement, j'ai bien connu cette affaire avec ma mère en EHPAD sur sa fin de vie. Heureusement qu'elle a pu, elle, aller en réanimation. Elle a fait 2 ou 3 septicémies dans l'année et elle s'en est parfaitement sortie à 90 ans. Donc là, non seulement on ne les a pas emmenés en réanimation, mais on leur a préparé la seringue de Rivotril avec un arrêté à la clé pour les achever complètement, alors qu'ils étaient déjà en détresse respiratoire.
Ces courbes appartiennent à l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts totales en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. En résumé, 8 mois après l'épidémie, ce virus aura donc fait un peu plus d'un million de morts dans le monde, soit bien moins que la tuberculose qui n'interpelle personne. Alors que toutes les courbes en Europe montrent à l'évidence que le danger était déjà loin derrière, sont plutôt rassurantes. On vous a pris pour des enfants, mais on n'est pas des enfants. Chaque personne réfléchit à sa façon, chacun sa façon de voir les choses. Coronavirus a un sacré concurrent, le virus de la peur. Il a été de loin le plus contagieux. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Une expression qui m'a fait frémir d'horreur quand je l'ai entendue, parce que ça n'a rien à voir. De toute manière, le virus n'est pas un ennemi. Nous cohabitons avec les virus depuis la nuit des temps. Et le propre d'un virus, c'est de circuler. Donc on ne peut pas l'empêcher de circuler. Il faut apprendre à cohabiter avec. On ne peut pas exterminer un virus. Quand on ne sait pas, quand on avançait complètement dans le flou, personne ne savait rien nous dire. Effectivement, la peur nous fait appliquer à la lettre ce qu'on nous demande. Donc, pendant le pic de l'épidémie, j'étais la première, masque sur le nez. J'ai pris le train à Bruxelles, et qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, le quai est pratiquement désert, il n'y a plus personne qui prend le Thalys. Or, il y a, entre Bruxelles et Paris, c'est comme un RER, il y a 22 trains par jour, c'est un train toutes les demi-heures. Qu'est-ce qu'on voit avec les restrictions de mouvement? C'est qu'il n'y a plus personne qui prend le train, et que quand on arrive sur le quai, on a des policiers en armes qui viennent vérifier si vous avez bien le masque. Patrouillent dans le train. Alors que pour les attentats, il n'y avait aucune présence policière. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que ce Covid, oui, c'est un objet très singulier. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. La peur, la peur, la peur. On a peur, on a peur. Cachez-vous, votre voisin va vous contaminer, la contagion est là. Faites attention, les corps sont menaçants, les visages doivent être cachés, masqués. Attention si on vous parle, si on vous tient un discours et qu'avec des postillons, attention à tout. Et donc, c'était inimaginable de vivre ça. Je ne pouvais pas imaginer que je le vivrais de mon vivant, franchement. Même les journalistes semblent perdus, c'est dire. Les morts de la grippe ont disparu, on les cherche. Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe cette année. Et puis, nous, on a surtout des témoignages de soignants, d'infirmières qui nous ont dit qu'il fallait coder Covid, des choses qui n'étaient pas Covid. On a une incitation aujourd'hui à déclarer Covid, incitation financière. Donc, quand vous avez une consultation de médecin à 25 euros théoriquement et que vous pouvez facturer 55 euros, ne serait-ce que si vous mettez que c'est une consultation Covid. Donc ça, vous avez ce premier point. Et puis si vous regardez la facturation hospitalière, si vous cotez Covid, vous pouvez passer de, en gros, 1 000 euros à 4 000 euros le séjour. Donc il y a beaucoup de dysfonctionnements aujourd'hui. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. Aux États-Unis, rien n'est laissé au hasard. Même la prévention d'une pandémie, unique dans l'histoire de l'humanité. Les mensonges, le premier qui vient à l'esprit, si je remonte dans le temps, c'est l'apparition de ce virus qui serait apparu prétendument à Wuhan, mais dont des symptômes similaires avaient été constatés dès le mois de mars ou avril 2019 aux États-Unis.看完
完了整个片子，不知道大家有什么感想呢？那所有的感想跟上次一样，大家可以在我的评论里面留言告诉我，也可以多多的发弹幕，把这个视频多多的分享给大家的朋友。好，最后呢，非常非常感谢大家的支持哈，你们的点赞支持还有那个互动呢，真的是促使我这两天上完白天上完班之后晚上回来翻译的这样的一个很大的动力哈，真的能跟大家一起分享这些东西呢，我真的非常的开心。好，那我下一个视频呢，就是会在这个周末的时候出来，暂时是不会做 hold up 这个片子下一个的翻译了。如果是只想看这个片子的朋友呢，可以下周再过来看一下哈。那我这周末的做的话题呢，我写在这个地方。这个话题呢，我一直是挺想讨论的。那但是呢，作为一个生活在海外的华人呢，其实讨论这个问题呢，也是比较有一定的，也是需要比较谨慎的去思考的。那如果感兴趣的朋友呢，这周末可以到我的频道里面来，我们一起来探讨一下这个话题。好，今天的分享就到这里了，再见。顺便说，我真的是太懒了，我真的不想给自己说话的时候做字幕，包含包含。拜拜。